Palestine. Travers le monde pour exiger d'abord le cessez-le-feu et ensuite je crois que désormais il faut trouver les moyens pour que l'Union européenne, le gouvernement français d'abord, puisque nous sommes membres du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, nous avons une responsabilité particulière pour agir, pour obtenir ce cessez-le-feu et de créer les conditions de mettre le peuple palestinien sous la protection internationale. Ça devient aujourd'hui une obligation, quoi qu'il se passe dans les prochains jours. Vous avez lancé une pétition à ce sujet ? Oui, donc nous avons déjà des dizaines et des dizaines de personnalités de toute opinion qui participent à cette pétition et qui réclament cela, dont la nécessité de montrer l'exemple et de emmener de l'aide humanitaire, médicale, sanitaire aux enfants de Gaza et aux citoyens de Gaza en général qui sont massacrés aujourd'hui. Palestine ! Palestine ! Palestine ! Palestine !